Macré. Voilà, un tir qui fait du bien. Un 5 sur le terrain. Longiligne, athlétique. Macré. Macré, le petit fadeaway. Et trop facile. Beaucoup trop simple. Le cafouillage qui allait voir le plus gros écart du match et démonter Harper qui provoque. Hansby en difficulté là sur la défense post-up, coup sur coup. Ça pourrait libérer les énergies. Le fade away. Invernizzi qui s'arrache. Beaublanc qui exulte probablement. Oui, avec cette banderie, Hugo Invernizzi. Et cette perte de balle. Massenberg, première intention, contre-attaque à 3 points. Limoges. Et Beaublanc le voit. Beaublanc le sent. Beaublanc encourage. Le fadeaway de Monte Harper. Et Beaublanc. Macré qui tape ce ballon. Invernizzi qui va être contraint de se lever. Il est plus que distance NBA. Comme ça, ne se refuse pas pour un joueur avec sa qualité de tir. Maintenant, il prend un tir une fois de plus. Au-delà de la distance NBA, Hugo Invernizzi, quasiment au demi-cercle. Plus physique que Hansby. Et pourtant, Hansby n'est pas... Oh ! Et le ballon perdu. 4 contre 2. Ça se projette très rapidement et bien entendu le temps mort demandé. Ça défend bien. Et Bazzi qui va donner une Invernizzi. Bingo! Ça flash au milieu, on ne sait pas bien communiquer. Les Limougeaux sanctionnés pour ce errement défensif, on l'a vu. Ça n'a pas été le cas. Contre les Mets, c'est payé cash. Massenberg, and one. Seulement, le terrain est moins large à ce niveau-là. Macré, la ligne de fond. Macré, le and one. Qui repasse en homme à homme. Et on envoie en hauteur Banjasi. Et c'est parfaitement exécuté. Oh, le contre en haute altitude. Oh, Spencer qui dit non, 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 allez, allez, de l'autre côté. La séquence énorme. Ljubovic qui cafouille un peu ce ballon. Et Vincent Hunter, le redoublement de passe dans le dribble. Qui règne de nouveau dans les raquettes de Betlick Elite. Le N1. Parce que après, c'est plus compliqué de définir qui doit prendre le ballon. Oh, Invernizzi tout seul dans un fauteuil. Invernizzi, énormissime. Invernizzi. Au niveau de l'adresse à 3 points. Cummins. 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 Le N1. Pas évident de comprendre pour l'adversaire ce qu'il en est. Oh, ce coquin veut absolument empêcher Cummins de prendre ce ballon. On veut donner la responsabilité à Jordan Macré. Jordan Macré, assassin lui aussi. Démonter Harper, what you gonna do? Harper, ce sera un 2 points. Ce sera un 2 points et ce ballon in extremis. Oui, CJ Massenberg, le rebond offensif qui a potentiellement le coup de poignard définitif. Il que s'infiltre et le ballon subtilisé, CJ Massenberg qui va devoir envoyer une prière. Non, ce sera une prolongation. On aura le droit à une prolongation. De créer un décalage peut-être pour un coéquipier. Jordan Macré, le step back sur Pinkin. C'est fort. C'est fort. En isolation. Le public qui ne respire plus. Timothée Cruzol qui va devoir décocher. Oh maman, 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 maman. Démonté Harper. Est-ce que Vincent Hunter enverra ses équipes en prolongation pour la deuxième fois? Il est court, mais il est dedans. Limoges. Le tir, dernière seconde. Non, bien défendu. Deuxième prolongation.
On veut le switch. Jordan McRae qui a Spencer sur le dos. Qui le fait reculer. Qui se lève. Aux meilleures individualités qui sont là pour provoquer ces choses qui continuent d'arriver. Devontae Harper, le N1. Dans la gestion du ballon, Devontae Harper qui prend le milieu, qui ressort. Timothée Crusoe, là, 3 points. Badabim, badaboum, badabang. Manjasi qui switch. Devontae Harper, il y a un oubli. Harper qui ressort. Il fait sauter Invernizzi et qui met dedans Invernizzi. Et les secondes, Tomer Ginat qui rate. C'est une victoire. Limoges qui crée l'exploit. Limoges diminué qui fait le job.